La jeunesse, elle a plein d'idées, ils sont motivés, ils sont là, ils veulent contribuer à l'évolution économique de l'Algérie. Mais il y a plusieurs contraintes. La contrainte number one, c'est le facteur temps. J'ai un cabinet de conseil d'études en investissement, IGUNA, il veut réaliser des projets rapidement, mais malheureusement, ça prend du temps. Parfois 2, 3 ans, 4 ans, il y a des jeunes, ils n'ont même pas les moyens. Ou parfois, on leur impose aussi, il leur faut des locaux, des bureaux, on leur impose le paiement, par exemple, des loyers une année, voire 2 ans à l'avance. Donc, ces jeunes-là, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, automatiquement, c'est un frein à l'entrepreneuriat. Ou le frein à l'aide, il n'existe pas ailleurs. Partout dans le monde, c'est le loyer, il est payé mensuellement. Donc, déjà, les obstacles, parfois, ça décourage la jeunesse.